Bienvenue sur Matin et Soir de prière, votre destination en ligne dédiée à l'élévation spirituelle et à la motivation chrétienne. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un moment de communion profonde avec Dieu à travers notre prière matinale. Avant de plonger dans cette expérience de prière transformative, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. En faisant ainsi, vous vous joignez à une communauté spirituelle engagée et vous resterez informé de toutes nos prières et méditations à venir, source d'inspiration et de force pour votre parcours spirituel. Prêt à plonger dans la profondeur de la prière, unissons nos cœurs et nos esprits dans ce moment sacré. Prions. Cher Père Céleste, je t'exprime humblement ma gratitude pour la nuit de sommeil paisible et revigorante que tu m'as accordée. Je te remercie infiniment pour ta présence vigilante qui m'a protégé et guidé tout au long de l'obscurité. Alors que je commence cette nouvelle journée, je reconnais et apprécie le don de la vie que tu m'as offert, ainsi que les nombreuses opportunités que ce jour apporte. Cher Jésus, je te prie d'être ma lumière et guide en me donnant la force et la sagesse nécessaires pour affronter tous les défis qui se présenteront sur mon chemin. Permets-moi de marcher dans tes voies, éclairant la vie de ceux qui m'entourent. Que ton amour infini inonde mon cœur, le faisant déborder et touchant la vie des autres. Je mets cette journée entre tes mains compatissantes, priant pour que chacune de mes actions et entreprises apporte gloire et honneur à ton nom sacré. Alors que je ferai face aux épreuves de cette journée, je recherche ardemment ta protection et ta sagesse. J'ai une foi inébranlable en ta promesse de protection, Seigneur, et je t'implore de me protéger de tous les dangers et périls. De plus, humblement, je sollicite ta divine sagesse, Seigneur, pour m'aider à prendre des décisions éclairées et à discerner le bien du mal. Je te demande donc de me guider tout au long de cette journée. Ô Dieu, je prie ardemment pour ta protection contre toutes les formes du mal, conscient de la présence constante du mal dans ce monde. Je t'implore de me protéger de son influence malfaisante et de me donner la force de résister aux tentations qui pourraient me détourner. Je mets ma confiance absolue en ta fidélité. Je m'adresse également à toi au nom de tous ceux qui me tiennent à cœur, ceux que j'aime profondément. Je te demande humblement tes bénédictions pour tous mes proches, Seigneur. Sois leur force et leur bouclier. Guide-les et protège-les dans leur parcours respectif. À toi, Père, je demande humblement tes bénédictions pour ma famille, afin qu'elles grandissent dans l'amour et l'unité. Seigneur, je t'implore de nous donner la force de tolérer les uns les autres et d'accorder le pardon, tout comme tu nous as généreusement pardonné. Que l'amour soit le lien indestructible qui unit les cœurs dans une parfaite unité. De plus, je demande sincèrement tes bénédictions pour mes amis et mes collègues. Je prie pour qu'ils soient entourés d'influences positives, d'individus qui les encouragent et les inspirent. Qu'ils soient entourés de personnes qui favorisent leur croissance et révèlent leur meilleur côté. Seigneur, bénis tous ceux que j'aime et qui me tiennent à cœur de ton amour abondant et de ta grâce. Que la grâce, l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec eux tous. Que ta grâce, ton amour et ta communion enveloppent et enrichissent la vie de tous ceux qui me tiennent à cœur. Seigneur, je demande humblement tes bénédictions pour ma journée de travail. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Permets-moi d'aborder mon travail avec un dévouement total, le considérant comme une opportunité de te servir plutôt que de servir une autorité humaine.
Je prie pour tes bénédictions sur mon travail afin que je reste diligent, fidèle et honnête dans toutes mes entreprises. Insuffle-moi un esprit intelligent pour que le travail de mes mains soit fructueux et prospère. De plus, je t'implore pour la sagesse, la connaissance et la compréhension nécessaires pour accomplir mes tâches avec excellence. J'entends que ta sagesse divine est ta guidance alors que je navigue dans mon travail aujourd'hui. Éclaire mon chemin, accorde-moi le discernement et bénis-moi de la capacité à prendre des décisions éclairées. Seigneur, je prie ardemment pour tes bénédictions sur mes interactions avec mes collègues et mes clients. Puisse CS Interaction être remplie de gentillesse, de respect et de positivité. Guide-moi pour être une source d'inspiration et d'encouragement sur mon lieu de travail, faisant briller ta lumière à travers mes paroles et mes actions. Que ma présence fasse une différence et crée un environnement harmonieux et stimulant. Je demande humblement ta guidance pour faire rayonner ta lumière sur mon lieu de travail et être un témoin vivant de ta grâce et de ton amour. Père Céleste, je me tourne vers toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude. Je te remercie pour ce jour, pour le précieux don de la vie, pour l'air qui remplit mes poumons et pour l'opportunité d'embrasser un autre jour d'existence. Je reconnais et apprécie les défis que je pourrai rencontrer aujourd'hui, car je comprends qu'ils seront essentiels à ma croissance et à mon développement en faisant de moi une personne plus forte. Je te remercie également pour les victoires que tu m'accorderas gracieusement aujourd'hui. De plus, je t'implore de m'accorder la capacité de réfléchir à cette journée et de discerner ton action dans chaque aspect de ma vie. Même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, que je puisse avoir confiance en ta souveraineté et en ta sagesse divine. Seigneur, je t'implore de m'aider à placer une confiance inébranlable en toi, à soumettre ma volonté à la tienne, même lorsque cela est difficile et va à l'encontre de ma compréhension humaine. Au nom de Jésus-Christ, je te présente cette prière en quête de ta guidance, de ta force et de ta sagesse tout au long de cette journée. Amen. Psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les flots de la mer mugissent, s'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il tranche la lance. Il brûle les chars au feu. Cessez vos combats et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cher Père Céleste, je t'exprime humblement ma gratitude pour la nuit de sommeil paisible et revigorante que tu m'as accordée. Je te remercie infiniment pour ta présence vigilante qui m'a protégé et guidé tout au long de l'obscurité. Alors que je commence cette nouvelle journée, je reconnais et apprécie le don de la vie que tu m'as offert, ainsi que les nombreuses opportunités que ce jour apporte. Cher Jésus,
Je te prie d'être ma lumière et guide en me donnant la force et la sagesse nécessaires pour affronter tous les défis qui se présenteront sur mon chemin. Permets-moi de marcher dans tes voies, éclairant la vie de ceux qui m'entourent. Que ton amour infini inonde mon cœur, le faisant déborder et touchant la vie des autres. Je mets cette journée entre tes mains compatissantes, priant pour que chacune de mes actions et entreprises apporte gloire et honneur à ton nom sacré. Alors que je ferai face aux épreuves de cette journée, je recherche ardemment ta protection et ta sagesse. J'ai une foi inébranlable en ta promesse de protection, Seigneur, et je t'implore de me protéger de tous les dangers et périls. De plus, humblement, je sollicite ta divine sagesse, Seigneur, pour m'aider à prendre des décisions éclairées et à discerner le bien du mal. Je te demande donc de me guider tout au long de cette journée. Ô Dieu, je prie ardemment pour ta protection contre toutes les formes du mal, conscient de la présence constante du mal dans ce monde. Je t'implore de me protéger de son influence malfaisante et de me donner la force de résister aux tentations qui pourraient me détourner. Je mets ma confiance absolue en ta fidélité. Je m'adresse également à toi au nom de tous ceux qui me tiennent à cœur, ceux que j'aime profondément. Je te demande humblement tes bénédictions pour tous mes proches, Seigneur. Sois leur force et leur bouclier. Guide-les et protège-les dans leur parcours respectif. À toi, Père, je demande humblement tes bénédictions pour ma famille, afin qu'elles grandissent dans l'amour et l'unité. Seigneur, je t'implore de nous donner la force de tolérer les uns les autres et d'accorder le pardon, tout comme tu nous as généreusement pardonnés. Que l'amour soit le lien indestructible qui unit les cœurs dans une parfaite unité. De plus, je demande sincèrement tes bénédictions pour mes amis et mes collègues. Je prie pour qu'ils soient entourés d'influences positives, d'individus qui les encouragent et les inspirent, qu'ils soient entourés de personnes qui favorisent leur croissance et révèlent leur meilleur côté. Seigneur, bénis tous ceux que j'aime et qui me tiennent à cœur de ton amour abondant et de ta grâce. Que la grâce, l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec eux tous. Que ta grâce, ton amour et ta communion enveloppent et enrichissent la vie de tous ceux qui me tiennent à cœur. Seigneur, je demande humblement tes bénédictions pour ma journée de travail. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Permets-moi d'aborder mon travail avec un dévouement total, le considérant comme une opportunité de te servir plutôt que de servir une autorité humaine. Je prie pour tes bénédictions sur mon travail afin que je reste diligent, fidèle et honnête dans toutes mes entreprises. Insuffle-moi un esprit intelligent pour que le travail de mes mains soit fructueux et prospère. De plus, je t'implore pour la sagesse, la connaissance et la compréhension nécessaires pour accomplir mes tâches avec excellence. J'entends que ta sagesse divine est ta guidance alors que je navigue dans mon travail aujourd'hui. Éclaire mon chemin, accorde-moi le discernement et bénis-moi de la capacité à prendre des décisions éclairées. Seigneur, je prie ardemment pour tes bénédictions sur mes interactions avec mes collègues et mes clients. Puisse ces interactions être remplies de gentillesse, de respect et de positivité. Guide-moi pour être une source d'inspiration et d'encouragement sur mon lieu de travail, faisant briller ta lumière à travers mes paroles et mes actions. Que ma présence fasse une différence et crée un environnement harmonieux et stimulant. Je demande humblement ta guidance pour faire rayonner ta lumière sur mon lieu de travail et être un témoin vivant de ta grâce et de ton amour. Père céleste, je me tourne vers toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude.
Je te remercie pour ce jour, pour le précieux don de la vie, pour l'air qui remplit mes poumons et pour l'opportunité d'embrasser un autre jour d'existence. Je reconnais et apprécie les défis que je pourrai rencontrer aujourd'hui, car je comprends qu'ils seront essentiels à ma croissance et à mon développement en faisant de moi une personne plus forte. Je te remercie également pour les victoires que tu m'accorderas gracieusement aujourd'hui. De plus, je t'implore de m'accorder la capacité de réfléchir à cette journée et de discerner ton action dans chaque aspect de ma vie. Même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, que je puisse avoir confiance en ta souveraineté et en ta sagesse divine. Seigneur, je t'implore de m'aider à placer une confiance inébranlable en toi, à soumettre ma volonté à la tienne, même lorsque cela est difficile et va à l'encontre de ma compréhension humaine. Au nom de Jésus-Christ, je te présente cette prière en quête de ta guidance, de ta force et de ta sagesse tout au long de cette journée. Amen. Psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les flots de la mer mugissent, s'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il tranche la lance. Il brûle les chars au feu. Cessez vos combats et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cher Père Céleste, je t'exprime humblement ma gratitude pour la nuit de sommeil paisible et revigorante que tu m'as accordée. Je te remercie infiniment pour ta présence vigilante qui m'a protégé et guidé tout au long de l'obscurité. Alors que je commence cette nouvelle journée, je reconnais et apprécie le don de la vie que tu m'as offert, ainsi que les nombreuses opportunités que ce jour apporte. Cher Jésus, je te prie d'être ma lumière et guide en me donnant la force et la sagesse nécessaires pour affronter tous les défis qui se présenteront sur mon chemin. Permets-moi de marcher dans tes voies, éclairant la vie de ceux qui m'entourent. Que ton amour infini inonde mon cœur, le faisant déborder et touchant la vie des autres. Je mets cette journée entre tes mains compatissantes, priant pour que chacune de mes actions et entreprises apporte gloire et honneur à ton nom sacré. Alors que je ferai face aux épreuves de cette journée, je recherche ardemment ta protection et ta sagesse. J'ai une foi inébranlable en ta promesse de protection, Seigneur, et je t'implore de me protéger de tous les dangers et périls. De plus, humblement, je sollicite ta divine sagesse, Seigneur, pour m'aider à prendre des décisions éclairées et à discerner le bien du mal. Je te demande donc de me guider tout au long de cette journée. Ô Dieu, je prie ardemment pour ta protection contre toutes les formes du mal, conscient de la présence constante du mal dans ce monde. Je t'implore de me protéger de son influence malfaisante et de me donner la force de résister aux tentations qui pourraient me détourner.
Je mets ma confiance absolue en ta fidélité. Je m'adresse également à toi au nom de tous ceux qui me tiennent à cœur, ceux que j'aime profondément. Je te demande humblement tes bénédictions pour tous mes proches, Seigneur. Sois leur force et leur bouclier. Guide-les et protège-les dans leur parcours respectif. À toi, Père, je demande humblement tes bénédictions pour ma famille, afin qu'elles grandissent dans l'amour et l'unité. Seigneur, je t'implore de nous donner la force de tolérer les uns les autres et d'accorder le pardon, tout comme tu nous as généreusement pardonné. Que l'amour soit le lien indestructible qui unit les cœurs dans une parfaite unité. De plus, je demande sincèrement tes bénédictions pour mes amis et mes collègues. Je prie pour qu'ils soient entourés d'influences positives, d'individus qui les encouragent et les inspirent, qu'ils soient entourés de personnes qui favorisent leur croissance et révèlent leur meilleur côté. Seigneur, bénis tous ceux que j'aime et qui me tiennent à cœur de ton amour abondant et de ta grâce. Que la grâce, l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec eux tous. Que ta grâce, ton amour et ta communion enveloppent et enrichissent la vie de tous ceux qui me tiennent à cœur. Seigneur, je demande humblement tes bénédictions pour ma journée de travail. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Permets-moi d'aborder mon travail avec un dévouement total, le considérant comme une opportunité de te servir plutôt que de servir une autorité humaine. Je prie pour tes bénédictions sur mon travail afin que je reste diligent, fidèle et honnête dans toutes mes entreprises. Insuffle-moi un esprit intelligent pour que le travail de mes mains soit fructueux et prospère. De plus, je t'implore pour la sagesse, la connaissance et la compréhension nécessaires pour accomplir mes tâches avec excellence. J'entends que ta sagesse divine est ta guidance alors que je navigue dans mon travail aujourd'hui. Éclaire mon chemin, accorde-moi le discernement et bénis-moi de la capacité à prendre des décisions éclairées. Seigneur, je prie ardemment pour tes bénédictions sur mes interactions avec mes collègues et mes clients. Puisse ces interactions être remplies de gentillesse, de respect et de positivité. Guide-moi pour être une source d'inspiration et d'encouragement sur mon lieu de travail, faisant briller ta lumière à travers mes paroles et mes actions. Que ma présence fasse une différence et crée un environnement harmonieux et stimulant. Je demande humblement ta guidance pour faire rayonner ta lumière sur mon lieu de travail et être un témoin vivant de ta grâce et de ton amour. Père Céleste, je me tourne vers toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude. Je te remercie pour ce jour, pour le précieux don de la vie, pour l'air qui remplit mes poumons et pour l'opportunité d'embrasser un autre jour d'existence. Je reconnais et apprécie les défis que je pourrai rencontrer aujourd'hui, car je comprends qu'ils seront essentiels à ma croissance et à mon développement en faisant de moi une personne plus forte. Je te remercie également pour les victoires que tu m'accorderas gracieusement aujourd'hui. De plus, je t'implore de m'accorder la capacité de réfléchir à cette journée et de discerner ton action dans chaque aspect de ma vie. Même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, que je puisse avoir confiance en ta souveraineté et en ta sagesse divine. Seigneur, je t'implore de m'aider à placer une confiance inébranlable en toi, à soumettre ma volonté à la tienne, même lorsque cela est difficile et va à l'encontre de ma compréhension humaine. Au nom de Jésus-Christ, je te présente cette prière en quête de ta guidance, de ta force et de ta sagesse tout au long de cette journée. Amen. Psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée,
et que les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les flots de la mer mugissent, s'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il tranche la lance. Il brûle les chars au feu. Cessez vos combats et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cher Père Céleste, je t'exprime humblement ma gratitude pour la nuit de sommeil paisible et revigorante que tu m'as accordée. Je te remercie infiniment pour ta présence vigilante qui m'a protégé et guidé tout au long de l'obscurité. Alors que je commence cette nouvelle journée, je reconnais et apprécie le don de la vie que tu m'as offert, ainsi que les nombreuses opportunités que ce jour apporte. Cher Jésus, je te prie d'être ma lumière et guide en me donnant la force et la sagesse nécessaires pour affronter tous les défis qui se présenteront sur mon chemin. Permets-moi de marcher dans tes voies, éclairant la vie de ceux qui m'entourent. Que ton amour infini inonde mon cœur, le faisant déborder et touchant la vie des autres. Je mets cette journée entre tes mains compatissantes, priant pour que chacune de mes actions et entreprises apporte gloire et honneur à ton nom sacré. Alors que je ferai face aux épreuves de cette journée, je recherche ardemment ta protection et ta sagesse. J'ai une foi inébranlable en ta promesse de protection, Seigneur, et je t'implore de me protéger de tous les dangers et périls. De plus, humblement, je sollicite ta divine sagesse, Seigneur, pour m'aider à prendre des décisions éclairées et à discerner le bien du mal. Je te demande donc de me guider tout au long de cette journée. Ô Dieu, je prie ardemment pour ta protection contre toutes les formes du mal, conscient de la présence constante du mal dans ce monde. Je t'implore de me protéger de son influence malfaisante et de me donner la force de résister aux tentations qui pourraient me détourner. Je mets ma confiance absolue en ta fidélité. Je m'adresse également à toi au nom de tous ceux qui me tiennent à cœur, ceux que j'aime profondément. Je te demande humblement tes bénédictions pour tous mes proches, Seigneur. Sois leur force et leur bouclier. Guide-les et protège-les dans leur parcours respectif. À toi, Père, je demande humblement tes bénédictions pour ma famille, afin qu'elles grandissent dans l'amour et l'unité. Seigneur, je t'implore de nous donner la force de tolérer les uns les autres et d'accorder le pardon, tout comme tu nous as généreusement pardonné. Que l'amour soit le lien indestructible qui unit les cœurs dans une parfaite unité. De plus, je demande sincèrement tes bénédictions pour mes amis et mes collègues. Je prie pour qu'ils soient entourés d'influences positives, d'individus qui les encouragent et les inspirent. Qu'ils soient entourés de personnes qui favorisent leur croissance et révèlent leur meilleur côté. Seigneur, bénis tous ceux que j'aime et qui me tiennent à cœur de ton amour abondant et de ta grâce. Que la grâce, l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec eux tous. Que ta grâce,
Ton amour et ta communion enveloppent et enrichissent la vie de tous ceux qui me tiennent à cœur. Seigneur, je demande humblement tes bénédictions pour ma journée de travail. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Permets-moi d'aborder mon travail avec un dévouement total, le considérant comme une opportunité de te servir plutôt que de servir une autorité humaine. Je prie pour tes bénédictions sur mon travail afin que je reste diligent, fidèle et honnête dans toutes mes entreprises. Insuffle-moi un esprit intelligent pour que le travail de mes mains soit fructueux et prospère. De plus, je t'implore pour la sagesse, la connaissance et la compréhension nécessaires pour accomplir mes tâches avec excellence. J'entends que ta sagesse divine est ta guidance alors que je navigue dans mon travail aujourd'hui. Éclaire mon chemin, accorde-moi le discernement et bénis-moi de la capacité à prendre des décisions éclairées. Seigneur, je prie ardemment pour tes bénédictions sur mes interactions avec mes collègues et mes clients. Puisse CS Interaction être remplie de gentillesse, de respect et de positivité. Guide-moi pour être une source d'inspiration et d'encouragement sur mon lieu de travail, faisant briller ta lumière à travers mes paroles et mes actions. Que ma présence fasse une différence et crée un environnement harmonieux et stimulant. Je demande humblement ta guidance pour faire rayonner ta lumière sur mon lieu de travail et être un témoin vivant de ta grâce et de ton amour. Père Céleste, je me tourne vers toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude. Je te remercie pour ce jour, pour le précieux don de la vie, pour l'air qui remplit mes poumons et pour l'opportunité d'embrasser un autre jour d'existence. Je reconnais et apprécie les défis que je pourrai rencontrer aujourd'hui, car je comprends qu'ils seront essentiels à ma croissance et à mon développement en faisant de moi une personne plus forte. Je te remercie également pour les victoires que tu m'accorderas gracieusement aujourd'hui. De plus, je t'implore de m'accorder la capacité de réfléchir à cette journée et de discerner ton action dans chaque aspect de ma vie. Même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, que je puisse avoir confiance en ta souveraineté et en ta sagesse divine. Seigneur, je t'implore de m'aider à placer une confiance inébranlable en toi, à soumettre ma volonté à la tienne, même lorsque cela est difficile et va à l'encontre de ma compréhension humaine. Au nom de Jésus-Christ, je te présente cette prière en quête de ta guidance, de ta force et de ta sagesse tout au long de cette journée. Amen. Psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les flots de la mer mugissent, s'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il tranche la lance. Il brûle les chars au feu. Cessez vos combats et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cher Père Céleste, je t'exprime humblement ma gratitude pour la nuit de sommeil paisible et revigorante que tu m'as accordée. Je te remercie infiniment pour ta présence vigilante qui m'a protégé et guidé tout au long de l'obscurité. Alors que je commence cette nouvelle journée, je reconnais et apprécie le don de la vie que tu m'as offert, ainsi que les nombreuses opportunités que ce jour apporte. Cher Jésus, je te prie d'être ma lumière et guide en me donnant la force et la sagesse nécessaires pour affronter tous les défis qui se présenteront sur mon chemin. Permets-moi de marcher dans tes voies, éclairant la vie de ceux qui m'entourent. Que ton amour infini inonde mon cœur, le faisant déborder et touchant la vie des autres. Je mets cette journée entre tes mains compatissantes, priant pour que chacune de mes actions et entreprises apporte gloire et honneur à ton nom sacré. Alors que je ferai face aux épreuves de cette journée, je recherche ardemment ta protection et ta sagesse. J'ai une foi inébranlable en ta promesse de protection, Seigneur, et je t'implore de me protéger de tous les dangers et périls. De plus, humblement, je sollicite ta divine sagesse, Seigneur, pour m'aider à prendre des décisions éclairées et à discerner le bien du mal. Je te demande donc de me guider tout au long de cette journée. Ô Dieu, je prie ardemment pour ta protection contre toutes les formes du mal, conscient de la présence constante du mal dans ce monde. Je t'implore de me protéger de son influence malfaisante et de me donner la force de résister aux tentations qui pourraient me détourner. Je mets ma confiance absolue en ta fidélité. Je m'adresse également à toi au nom de tous ceux qui me tiennent à cœur, ceux que j'aime profondément. Je te demande humblement tes bénédictions pour tous mes proches, Seigneur. Sois leur force et leur bouclier. Guide-les et protège-les dans leur parcours respectif. À toi, Père, je demande humblement tes bénédictions pour ma famille, afin qu'elles grandissent dans l'amour et l'unité. Seigneur, je t'implore de nous donner la force de tolérer les uns les autres et d'accorder le pardon, tout comme tu nous as généreusement pardonné. Que l'amour soit le lien indestructible qui unit les cœurs dans une parfaite unité. De plus, je demande sincèrement tes bénédictions pour mes amis et mes collègues. Je prie pour qu'ils soient entourés d'influences positives, d'individus qui les encouragent et les inspirent, qu'ils soient entourés de personnes qui favorisent leur croissance et révèlent leur meilleur côté. Seigneur, bénis tous ceux que j'aime et qui me tiennent à cœur de ton amour abondant et de ta grâce. Que la grâce, l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec eux tous. Que ta grâce, ton amour et ta communion enveloppent et enrichissent la vie de tous ceux qui me tiennent à cœur. Seigneur, je demande humblement tes bénédictions pour ma journée de travail. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Permets-moi d'aborder mon travail avec un dévouement total, le considérant comme une opportunité de te servir plutôt que de servir une autorité humaine. Je prie pour tes bénédictions sur mon travail afin que je reste diligent, fidèle et honnête dans toutes mes entreprises. Insuffle-moi un esprit intelligent pour que le travail de mes mains soit fructueux et prospère. De plus, je t'implore pour la sagesse, la connaissance et la compréhension nécessaires pour accomplir mes tâches avec excellence. J'entends que ta sagesse divine est ta guidance alors que je navigue dans mon travail aujourd'hui.
Éclaire mon chemin, accorde-moi le discernement et bénis-moi de la capacité à prendre des décisions éclairées. Seigneur, je prie ardemment pour tes bénédictions sur mes interactions avec mes collègues et mes clients. Puisse CS Interaction être remplie de gentillesse, de respect et de positivité. Guide-moi pour être une source d'inspiration et d'encouragement sur mon lieu de travail, faisant briller ta lumière à travers mes paroles et mes actions. Que ma présence fasse une différence et crée un environnement harmonieux et stimulant. Je demande humblement ta guidance pour faire rayonner ta lumière sur mon lieu de travail et être un témoin vivant de ta grâce et de ton amour. Père Céleste, je me tourne vers toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude. Je te remercie pour ce jour, pour le précieux don de la vie, pour l'air qui remplit mes poumons et pour l'opportunité d'embrasser un autre jour d'existence. Je reconnais et apprécie les défis que je pourrai rencontrer aujourd'hui, car je comprends qu'ils seront essentiels à ma croissance et à mon développement en faisant de moi une personne plus forte. Je te remercie également pour les victoires que tu m'accorderas gracieusement aujourd'hui. De plus, je t'implore de m'accorder la capacité de réfléchir à cette journée et de discerner ton action dans chaque aspect de ma vie. Même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, que je puisse avoir confiance en ta souveraineté et en ta sagesse divine. Seigneur, je t'implore de m'aider à placer une confiance inébranlable en toi, à soumettre ma volonté à la tienne, même lorsque cela est difficile et va à l'encontre de ma compréhension humaine. Au nom de Jésus-Christ, je te présente cette prière en quête de ta guidance, de ta force et de ta sagesse tout au long de cette journée. Amen. Psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les flots de la mer mugissent, s'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il tranche la lance. Il brûle les chars au feu. Cessez vos combats et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cher Père Céleste, je t'exprime humblement ma gratitude pour la nuit de sommeil paisible et revigorante que tu m'as accordée. Je te remercie infiniment pour ta présence vigilante qui m'a protégé et guidé tout au long de l'obscurité. Alors que je commence cette nouvelle journée, je reconnais et apprécie le don de la vie que tu m'as offert, ainsi que les nombreuses opportunités que ce jour apporte. Cher Jésus, je te prie d'être ma lumière et guide en me donnant la force et la sagesse nécessaires pour affronter tous les défis qui se présenteront sur mon chemin. Permets-moi de marcher dans tes voies, éclairant la vie de ceux qui m'entourent. Que ton amour infini inonde mon cœur, le faisant déborder et touchant la vie des autres. Je mets cette journée entre tes mains compatissantes.
priant pour que chacune de mes actions et entreprises apporte gloire et honneur à ton nom sacré. Alors que je ferai face aux épreuves de cette journée, je recherche ardemment ta protection et ta sagesse. J'ai une foi inébranlable en ta promesse de protection, Seigneur, et je t'implore de me protéger de tous les dangers et périls. De plus, humblement, je sollicite ta divine sagesse, Seigneur, pour m'aider à prendre des décisions éclairées et à discerner le bien du mal. Je te demande donc de me guider tout au long de cette journée. Ô Dieu, je prie ardemment pour ta protection contre toutes les formes du mal, conscient de la présence constante du mal dans ce monde. Je t'implore de me protéger de son influence malfaisante et de me donner la force de résister aux tentations qui pourraient me détourner. Je mets ma confiance absolue en ta fidélité. Je m'adresse également à toi au nom de tous ceux qui me tiennent à cœur, ceux que j'aime profondément. Je te demande humblement tes bénédictions pour tous mes proches, Seigneur. Sois leur force et leur bouclier. Guide-les et protège-les dans leur parcours respectif. À toi, Père, je demande humblement tes bénédictions pour ma famille, afin qu'elles grandissent dans l'amour et l'unité. Seigneur, je t'implore de nous donner la force de tolérer les uns les autres et d'accorder le pardon, tout comme tu nous as généreusement pardonné. Que l'amour soit le lien indestructible qui unit les cœurs dans une parfaite unité. De plus, je demande sincèrement tes bénédictions pour mes amis et mes collègues. Je prie pour qu'ils soient entourés d'influences positives, d'individus qui les encouragent et les inspirent, qu'ils soient entourés de personnes qui favorisent leur croissance et révèlent leur meilleur côté. Seigneur, bénis tous ceux que j'aime et qui me tiennent à cœur de ton amour abondant et de ta grâce. Que la grâce, l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec eux tous. Que ta grâce, ton amour et ta communion enveloppent et enrichissent la vie de tous ceux qui me tiennent à cœur. Seigneur, je demande humblement tes bénédictions pour ma journée de travail. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Permets-moi d'aborder mon travail avec un dévouement total, le considérant comme une opportunité de te servir plutôt que de servir une autorité humaine. Je prie pour tes bénédictions sur mon travail afin que je reste diligent, fidèle et honnête dans toutes mes entreprises. Insuffle-moi un esprit intelligent pour que le travail de mes mains soit fructueux et prospère. De plus, je t'implore pour la sagesse, la connaissance et la compréhension nécessaires pour accomplir mes tâches avec excellence. J'entends que ta sagesse divine est ta guidance alors que je navigue dans mon travail aujourd'hui. Éclaire mon chemin, accorde-moi le discernement et bénis-moi de la capacité à prendre des décisions éclairées. Seigneur, je prie ardemment pour tes bénédictions sur mes interactions avec mes collègues et mes clients. Puisse CS Interaction être remplie de gentillesse, de respect et de positivité. Guide-moi pour être une source d'inspiration et d'encouragement sur mon lieu de travail, faisant briller ta lumière à travers mes paroles et mes actions. Que ma présence fasse une différence et crée un environnement harmonieux et stimulant. Je demande humblement ta guidance pour faire rayonner ta lumière sur mon lieu de travail et être un témoin vivant de ta grâce et de ton amour. Père Céleste, je me tourne vers toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude. Je te remercie pour ce jour, pour le précieux don de la vie, pour l'air qui remplit mes poumons et pour l'opportunité d'embrasser un autre jour d'existence. Je reconnais et apprécie les défis que je pourrais rencontrer aujourd'hui, car je comprends qu'ils seront essentiels à ma croissance et à mon développement en faisant de moi une personne plus forte. Je te remercie également pour les victoires que tu m'accorderas gracieusement aujourd'hui.
De plus, je t'implore de m'accorder la capacité de réfléchir à cette journée et de discerner ton action dans chaque aspect de ma vie. Même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, que je puisse avoir confiance en ta souveraineté et en ta sagesse divine. Seigneur, je t'implore de m'aider à placer une confiance inébranlable en toi, à soumettre ma volonté à la tienne, même lorsque cela est difficile et va à l'encontre de ma compréhension humaine. Au nom de Jésus-Christ, je te présente cette prière en quête de ta guidance, de ta force et de ta sagesse tout au long de cette journée. Amen. Psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les flots de la mer mugissent, s'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il tranche la lance. Il brûle les chars au feu. Cessez vos combats et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.